Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, une petite vidéo, on va voir ensemble le Renault Scénic E-Tech de 2024. Donc, il est sorti le 22 janvier 2024. Donc, il nous sort un petit 170 chevaux, 125 kW de puissance, avec une batterie de 87 kWh. Donc, les entrées de gamme, ils vont démarrer à un peu moins de 40 000 euros. Ce qui est plutôt pas mal. Faut oublier que c'est un 170 chevaux, autonomie 430 km. Et le prix en Belgique 39 950, en France 40 050, en Espagne 38 700. Beaucoup moins cher en Espagne, enfin 2 petits 1000 euros. Donc il y a un second modèle avec le groupe motopropulseur de 220 chevaux, 87 kWh et pouvoir aller jusqu'à 625 km d'autonomie. C'est un peu mieux. C'est plus raisonnable, par contre le prix de 49 000 à 52 000 euros. Voilà. Bon, là ici on est sur la description du moteur grande autonomie. Enfin, le modèle grande autonomie. Donc on est à 46 990 euros, finition techno, Scénic 5, boîte de vitesse automatique. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, 5 portes, 5 places, ça s'en fout. 19 pouces, les jantes avant-arrière. Autonomie 625 kW, km. C'est normal, c'est une grande autonomie. Capacité de batterie 47 kWh. Puissance fiscale 4 chevaux, 220 chevaux. Les normes euro, on est en euro 6. Vitesse maximum 170 km/h. Alors, faut pas oublier que c'est un petit. SUV, c'est plutôt. C'est un Scénic. C'est un petit urbain, un petit monospace, voilà, monospace. Bon, ici on va prendre le modèle 170 chevaux, 39 990 euros, finition évolution Scénic 5, boîte automatique. Qu'est-ce qu'on a? Autonomie 430 km, ça par contre c'est pas beaucoup. Puissance DIN 170, 4 chevaux fiscaux, norme Euro 6 aussi. Vitesse maximum 150 km/h, c'est vraiment pas terrible. 0 à 100 en 9 secondes 4. Bon, là, on est sur Caradisiaque. Hein. Les bonnes infos viennent de là. Donc, 5 janvier, bon, les dates, ça c'est aléatoire. Hein, c'est en janvier. Ça est sorti en janvier. Donc, garantie pièce et main-d'œuvre constructeur, kilométrage illimité. Garantie pièce et main-d'œuvre en mois, 24 mois. Longueur 4m47, hauteur 1m57, empattement 2,78, volume du coffre 545 litres, c'est plutôt pas mal. Volume du coffre maxi 1449 litres, poids vide 1872 kg. Toujours un peu lourd, c'est normal, c'est les véhicules électriques. Batterie lithium Li 625. Non, ça c'est pas le même, c'est pas le bon ça. Ah non, c'est une grande autonomie. Ouais, bon, de toute façon, c'est quasiment le même, mis à part l'autonomie. Donc là, on est sur un bonus éco de moins 4000. 8,4 secondes de 0 à 100. Bon, sur le modèle 170 chevaux, on a 280 couples, newton-mètres de couple maximum. Boîte automatique, carburant électrique évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Performance 150 km/h max, ça on l'avait vu déjà. Poids total roulant 3440 kg. Qu'est-ce qu'on a? Nombre de places 5. Bon, voilà. Thank you.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai présenté le Scénic e-tech 2024. Je trouve il est vraiment beau, vraiment futuriste, et la motorisation plutôt pas mal. Donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez un maximum et abonnez-vous. Allez, salut!